Madame, monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en direct du stade du 5 juillet pour vous accompagner dans le commentaire de ce premier match du tournoi de l'UNAF que l'Algérie organise. Ce tournoi de l'UNAF dans les rencontres se joueront bien sûr au stade du 5 juillet. Se déroulera sous forme de mini-championnat avec la participation de pas moins de 3 sélections, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Ce premier match va mettre aux prises dans quelques instants nos jeunes verts, nos jeunes fennecs à la sélection libyenne pour vous faire suivre cette confrontation entre nos jeunes capés et leur homologue libyen. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour la première fois ma jeune collègue Sarah Darbel. Sarah, bonjour. Bonjour Fadra Abada, bonjour à nos téléspectateurs. Ravi de vous retrouver ici au stade du 5 juillet. Comme vous l'avez si bien dit, Fatah, donc poursuivre ce mini-championnat, ce tournoi UNAF qui est qualificatif à la CAN 2021. Donc les deux hymnes nationaux, l'hymne national de la Libye, les visiteurs, et l'hymne national algérien, Qassamen. Tu disais donc, Sarah. Donc je parlais de ce tournoi, j'ai dit qu'il était qualificatif à la CAN 2021, donc qui se déroulera au Maroc du 13 au 31 mars 2021. Donc pour revenir à la formation des deux équipes Fatah, donc on commence par l'équipe libyenne. Donc dans les buts, on a Dhirar Dormen, Hammam Ammar, Subhi El-Dhawi, El-Muntasser Ezat, Youssouf Farj, Fahd Mohamed, Jaloud, Abdullah Al-Shukri, Abdul Muhaymen Mismar, Abdul Samia Abou Nabi. Pour ce qui est des remplaçants, donc Abdul Hakim Al-Hajij, Mohamed Wanis, Nizar Al-Hamali, Mohamed Al-Maghribi, Ashraf Al-Sharif, Saad Al-Fadhi, Mohamed Abdul Aziz. Donc drivé par le coach Mohamed Al-Angari.
Et concernant l'équipe locale, nos jeunes Fenech, les Algériens, rentrent avec la composition suivante. Hamza Boualem, gardien de but de l'USM Alger. En défense, nous avons Karaouch Rayan du FC Metz, Moussaoui Imran de l'Olympique de Marseille. L'axe central est constitué par Nota Bayre Djibril de Amiens, ainsi que son coéquipier dans le même club, Ouchouach Anis de Amiens toujours. Au milieu de terrain, nous retrouvons Tabouch Joris Djibril de l'AS Nancy avec Malik Mohamed Abdelaziz du PAC. En attaque avec Zouliani aussi, Zouliani Edi Ivan du FC Toulouse. Et en attaque, nous avons Larayanis de l'Olympique Lyonnais, Omar Mohamed Rafiq de l'Académie de la FAF et Zaimesh Rafiq Mouatez du PAC Paradou Athletic Club. La sélection nationale, comme nous le savons, est entraînée par le sélectionneur monsieur Mohamed Lasset, qui est entraîneur principal, secondé par Mourad Slatni, qui est entraîneur adjoint, monsieur Chérifi Mohamed, qui est préparateur physique, et monsieur Messaï Marouane, qui est entraîneur des gardiens de but Sara. Pour le trio qui va diriger cette rencontre, c'est un trio égyptien mené par monsieur Ibrahim Nourdine comme arbitre central, secondé par Ahmed Houssam Din et Hani Abdelfattah Mahmoud Sandidi. Le quatrième arbitre est une femme, c'est Shahinda Saad El Maghribi. Le commissaire au match est monsieur Khalifa Hicham Kirat. Je disais donc que c'est un trio égyptien avec comme quatrième arbitre madame Shahinda Saad El Maghribi d'Égypte et le commissaire au match monsieur Khalifa Hicham Kirat de Tunisie. Le coup d'envoi va être donné par l'équipe libyenne Sarah. Tout à fait. Donc pour ce qui est de la formation de notre équipe nationale Fatah Abada, donc on constate que l'entraîneur Lasset Mohamed a aligné quand même 7 binationaux hein, Fatah. C'est un problème de cohésion, effectivement, il avait raison. De toute façon, c'est lui le responsable. Comme on le voit sur l'axe central où nous avons Djibril, Nota Bayre et Ouachouache qui sont tous deux sociétaires du club d'Amiens. C'est ce que regrette justement le coach national Mohamed Lasset. Et le coup d'envoi qui est donné par la sélection libyenne qui va se lancer à l'assaut de l'attaque algérienne. Une balle très haute récupérée par la défense algérienne par Ouachouache. Ouachouache Anis du FC Amiens. Les Algériens qui récupèrent la balle, le milieu de terrain, notre numéro 7, Baghdadi. À droite, mais la balle est interceptée par la défense libyenne. C'est un match où, comme l'a si bien signalé le sélectionneur national, on va dans l'inconnu parce que en fait aucune sélection ne connaît l'autre. Toutes les équipes ont caché leurs cartes. Et c'est la difficulté principale pour nos capés et pour toutes les équipes d'ailleurs, Sarah. Tout à fait. Surtout que l'Algérie a déjà participé à un tournoi, enfin à la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie en 2009, au Nigeria d'ailleurs. Pour ce qui est de l'équipe libyenne... Attention à ce joli centre du côté gauche, le joli centre que la défense libyenne a pu dégager en touche, une touche au profit de la sélection nationale, pardon Sarah. Première action pour l'équipe nationale, alors Fatah. Donc je disais pour ce qui est de l'équipe libyenne, donc aucune participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, mais effectivement Sarah, on sait que la sélection libyenne concernant les U20 nous a battus, elle a éliminé l'équipe nationale algérienne, la sélection algérienne qui ne participera malheureusement pas à la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Afrique. Attention, mauvais contrôle de Djibril, récupéré heureusement qu'il y avait le numéro 28 de la sélection nationale Djibril qui a récupéré la balle, sinon c'était une action dangereuse pour la sélection libyenne. En fait, nos jeunes ont eu un seul entraînement sur cette pelouse du 5 juillet, c'était hier, Sarah. Tout à fait. Donc, ils ont eu des stages de préparation. Ils sont actuellement toujours en stage donc pour
en deuxième phase, bien sûr. Donc la première phase, c'était la phase donc pré-compétitive. Cette phase, elle est consacrée à la compétition. Donc nos jeunes sont toujours en stage, ils se préparent et on espère qu'ils décrocheront ce billet qualificatif pour la CAN 2021. C'est ce qu'a déclaré le sélectionneur national Mohamed Lasset, qui a dit: nous n'avons pas droit à l'erreur, nous sommes chez nous et nous devons nous classer premier parce que c'est le premier qui ira en Coupe d'Afrique au Maroc, Sarah, au mois de mars. Coup franc sur le flanc droit pour l'équipe d'Algérie suite à une faute sur Omar Mohamed Rafiq, le joueur de l'académie de la FAF. La faute signalée par le référé Monsieur Ibrahim Nourdine d'Égypte. En attendant, les joueurs sont en train de s'habituer, de prendre leurs mesures sur le terrain, d'essayer de prendre leurs marques. Vu que c'est la première fois, après l'entraînement d'hier, c'est la première fois qu'ils foulent cette pelouse, cette magnifique pelouse du stade du 5 juillet. Et c'est Idy Zouliani qui va tirer ce coup franc. Et contré par la défense et récupéré par le gardien égyptien, le gardien libyen, pardon, qui bénéficie d'une faute, une faute commise par Wesh Wesh Anis de Damien Sarah. Il faut dire que la sélection libyenne aussi a eu une bonne préparation, Sarah. Tout à fait, donc trois stages de préparation avant d'entamer cette compétition. Donc, et pour ce qui est de l'entraîneur libyen, il est réputé pour bien choisir et bien repérer les pépites, les jeunes pépites. Oui, effectivement, la balle est dans les pieds de nos jeunes Fenech qui essayent de déborder sur la droite pour le numéro 24, Zaimesh Mouatez, mais la balle est contrée par la défense libyenne et l'arbitre accorde une faute, non, plutôt c'est une touche, une remise en touche pour la défense libyenne. La touche est directement sur la défense algérienne, récupéré par Tabouche Joris Jibril qui joue sur Moussaoui Imran. Moussaoui qui monte beaucoup, l'arrière gauche qui monte beaucoup, qui change carrément à droite pour Kraouch Ryan. Kraouch qui joue avec son milieu droit, Omar Mohamed Rafiq, qui centre directement mais vers personne, vers la touche. C'est disons le début, les cinq premières minutes, et c'est difficile, c'est-à-dire que ils sont en train de tâter les poux. Sachant, Sarah, que le comité d'organisation de l'UNAF a procédé à ce qu'on appelle le contrôle de l'âge. Le contrôle de l'âge, comment se fait le contrôle de l'âge? En fait, c'est des radios qui sont faites sur la main et le poignet. Et ça peut déterminer à quelques mois, quelques années près, l'âge des joueurs. Je te donne l'exemple. Quand on voit l'apparition de l'os sésamoïde du pouce, cela veut dire que la personne, que l'enfant a à peu près 13 ans. Voilà, c'est une astuce que je te donne, Sarah. C'est un en tant que médecin, ouais. que je te donne en aparté. Ils ont eu raison de faire ça, surtout en Afrique. Il y a eu ça s'est passé à plusieurs reprises. Trafic, on va dire. Effectivement. Alors, la balle est toujours dans les pieds des Algériens. Dommage. Une petite domination, très légère domination de la sélection algérienne. On sent que c'est la volonté de nos jeunes capés. On voit bouger beaucoup les Tabouche, les Malek Abdelaziz et aussi Zouliani Idi. Le Moussaoui également, Fataha, il monte beaucoup le Moussaoui. Oui, exactement. Première balle pour le gardien. Première balle récupérée pour notre gardien Hamza Boualem, le gardien de l'USM Alger. La balle est dans les pieds de Wesh Wesh, de Jibril, qui joue avec son coéquipier, le numéro 22, Moussaoui Imran. La balle est au milieu de terrain, changement carrément vers justement ce Moussaoui Imran qui essaye de prendre la balle. Moussaoui monte beaucoup et c'est de bon augure pour la suite de ce match. Ballon récupéré toujours dans les pieds des Algériens et faute sifflée au profit du joueur libyen, le jeune, je trouverai, Fahed Mohamed. Bien vu, Sarah. Fahed Mohamed. C'est l'avant-centre de l'équipe libyenne. Cet avant-centre, ce jeune avant-centre qui bouge beaucoup, qui perturbe un petit peu la défense algérienne. On espère que nos jeunes vont prendre leur marque très rapidement.
le numéro 3 qui revient. Sobhi qui revient. Vers le gardien. Tout à fait, vers le gardien. Le gardien qui dégage une longue balle, mais ratée par... récupéré par Samia. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. La balle est dans le milieu de terrain. Les Libyens aussi essayent de faire circuler le ballon, mais la balle est récupérée par Nokapé. Le numéro 24, Zaïmech qui part sur la gauche, qui essaye de dépasser, qui dépasse réellement, qui fait un centre, mais contré et corner. Premier corner à la 7e minute. On joue la 8e minute. Premier corner pour la sélection algérienne et qui va être exécuté. Non, mais Zaïmech laisse son coéquipier. Son coéquipier qui va botter le corner. La défense centrale est montée aussi bien. C'est Omar qui va botter ce corner, Fatah. Premier corner pour l'Algérie. À la Rémoise. Très belle action, très beau centre, mais dépassé. Personne au niveau de la surface de réparation, au niveau des 6 mètres, et la balle sort en touche pour la sélection libyenne. Cette sélection libyenne, quand même, il y a de la cohésion. C'est des joueurs qui se sont entraînés ensemble, qui ont fait des stages ensemble. C'est ce que tu as eu comme information, Sarah. Tout à fait. Donc, c'est une équipe qui a déjà joué ensemble, qui se connaissent entre eux, contrairement à nos jeunes, à nous. Donc, ils ont effectué, d'ailleurs, l'entraîneur avait déclaré qu'il a travaillé seulement pendant 3 mois. Pour cause de Covid, bien sûr, donc 3 mois ne suffisent pas pour, tout à fait. Pour créer on va dire une équipe aussi jeune déjà. C'est des U17, donc il leur faut quand même plus de temps pour s'habituer. Mais de toute façon, Sarah, la qualité est là, la volonté est là, et tout ce qu'on peut regretter, comme le regrette le sélectionneur national, c'est le manque de cohésion par manque de préparation. Balle récupérée au milieu de terrain, nos jeunes capés qui montent. Zaïmech, c'est le numéro 24, qui bouge beaucoup sur le côté gauche, ce flanc gauche, qui cause quand même assez de soucis à cette sélection libyenne. C'est surtout Moussaoui Imran, l'arrière gauche, et Zouliani et Zaïmech. Donc c'est un duo plutôt compatible, on va dire, entre Moussaoui et Zaïmech. Zaïmech, exactement. L'arbitre a sifflé finalement une faute pour une poussée sur le jeune Moussaoui Imran. C'est justement ce Moussaoui-là qui va botter ce coup franc-là. Monsieur l'arbitre met le mur à distance réglementaire. Deuxième coup franc pour l'Algérie. Et c'est les deux, c'est Omar Mohamed Rafiq et Zaïmech. C'est plutôt Omar Mohamed Rafiq qui va centrer, et l'intervention du jeune gardien libyen qui dégage en corner, et c'est le deuxième corner au profit de la sélection nationale. Tout à fait, Fatah. Donc cette équipe est plutôt offensive, on va dire, contrairement à l'équipe libyenne. Donc ils se contentent de défendre, ils sont plus au milieu de terrain. On n'a pas vu notre gardien, on n'a pas vu Boualem Hamza, à part une ou deux fois. Donc un deuxième corner pour l'Algérie, donc qui va être tiré par Zouliani de son pied gauche, et la balle est récupérée par la défense libyenne, toujours dans le pied des Algériens, et toujours à l'intérieur de la surface de réparation. Oh, ce jeune qui se bat. Ah, belle action, et il rate lamentablement. C'est Zouliani qui a raté. C'est Zouliani du FC Toulouse, quand même, il bouge sur le terrain. En tout cas, c'était une balle récupérée, et la défense libyenne n'était pas prête pour ça. C'est dommage, Zouliani aurait pu profiter pour ouvrir la marque. C'est pas grave, ce n'est que partie remise pour nos jeunes. Le jeu reprend du côté gauche libyen. C'est l'arrière gauche libyen, Djaloud, qui va faire la remise en touche. Djaloud qui remet en touche, et c'est l'avant-centre Fahd Mohamed, mais qui a été contré par Djibril. La balle toujours chez la sélection algérienne.
Wachwach sur Moussaoui Imran. Moussaoui qui revient vers Tabouche. Tabouche qui change carrément de côté et joue vers Karaouch Ryan. Karaouch qui joue avec Zouliani. Zouliani qui évite un adversaire et préfère revenir vers l'axe central, vers Wachwach. Moussaoui qui remet sur Tabouche. Tabouche qui essaye de retrouver un coéquipier démarqué. Mais c'est plutôt Moussaoui qui part tout seul, qui essaye de centrer, et le troisième corner. On sent quand même qu'il y a une petite pression exercée par... Domination aussi par les Verts. Déjà, ils circulent la balle, ils font marcher le ballon. C'est tout le monde qui touche la balle, Fatah. C'est une équipe qui est très intéressante. On sent que la volonté est là, en espérant que ça se concrétise par un but. C'est Omar qui va botter ce troisième corner pour l'Algérie. Omar qui essaye de... J'espère que Yanis Lara sera bien en place pour le... Malheureusement, non. Et c'est Djibril qui va récupérer le ballon. Djibril qui monte beaucoup. Djibril qui a envie de mettre son empreinte, qui a envie de marquer dans ce premier match. C'est très important pour ces jeunes-là, ces jeunes qui rejoignent pour la première fois la sélection. Très belle remise sur l'axe central. Toujours ce petit diable de Moussaoui qui centre, qui essaye de trouver un coéquipier démarqué. Il centre, mais personne sauf la défense libyenne. On sent que l'équipe libyenne est regroupée. Elle craint cette sélection algérienne. Attention, il faut faire attention de ne pas se faire avoir en contre. Waouh, belle action, mais contrée par la défense libyenne. On sent, Sarah, quand même que c'est un problème justement de cohésion. Sinon, la qualité est là. Faute contre l'avant-centre libyen Fahd Mohamed, qui a bousculé Djibril d'ailleurs. Djibril, Nota Béré. Quand même la corpulence de notre axe central, Sarah, pour des U17 est quand même assez intéressante. Et le sélectionneur Mohamed Lasset a très bien fait de mettre deux joueurs qui ont l'habitude de jouer en club ensemble. Et c'est pour justement créer cette aussi cohésion. C'est qu'il ne reste pas beaucoup en défense. Donc on les voit, quand il y a un corner, ils sont au niveau des bois des Libyens. Donc... voilà, d'ailleurs, Djibril avec cette passe. C'est Lara qui a essayé de pénétrer sur la gauche, mais il n'y avait personne dans la surface de réparation et le ballon est récupéré par le gardien libyen Dehirar. Dehirar qui prend tout son temps, qui dégage une balle haute, très haute. Toujours ce Fahd Mohamed qui est là à l'assaut, mais la balle est récupérée par Zouliani. Zouliani avec sa patte gauche qui a essayé de trouver un coéquipier, mais la balle est partie dans les pieds des Libyens. Belle remontée des Libyens, mais toujours récupérée par Tabouche, encore une fois chez les Libyens. Et là, c'est le jeune Mohamed Malek du Parado Athlétique qui pénètre, qui rentre dans la surface de réparation, mais bloqué par Soubhi qui a su intercepter et qui bénéficie même d'un coup franc dans la surface de réparation libyenne. Ce coup franc qui va être botté par Soubhi. Soubhi, ce jeune dont on dit beaucoup de bien, dont le sélectionneur libyen dit beaucoup de bien. Oui, d'ailleurs, il joue pour l'Ittihad, ce Soubhi. La balle est dans les pieds des Algériens et contrée par le numéro 16, Mohaimar, qui dégage le ballon en touche. La touche qui va être effectuée par l'arrière-gauche Moussaoui, qui revient vers Djibril. Djibril qui essaye de trouver son coéquipier Wachwach dans la défense. Les jeunes Algériens essayent de construire et c'est très intéressant. Cette manière de réfléchir déjà est très intéressante. Ils ne se précipitent pas et c'est très important. Voilà.
Et le numéro 8, Malek Abdelaziz, qui revient pour récupérer la balle, pour essayer de construire Wash, mais longue balle vers le gardien libyen, vers personne, vers le gardien libyen. Il faudrait que nos jeunes essayent de construire comme ils ont fait la toute première fois et la deuxième fois, les deux actions qu'ils ont menées sur le flanc gauche. On voit que les Libyens se contentent de balancer des ballons devant, ils comptent beaucoup sur leur avant-centre Fahd Mohamed, alors que nos jeunes capés essayent de construire. Malek Abdelaziz qui passe sur le côté droit pour Karaouch Rayan, Karaouch pour Zuliani. Zuliani avec sa patte gauche qui fait 1-2 et qui récupère le ballon, mais malheureusement Karaouch n'a pas suivi et la balle sort en 5,50 m au profit du gardien libyen Dherar. La pelouse est excellente, Sarah, et les joueurs, on voit qu'ils commencent à s'habituer, qu'ils ne glissent pas beaucoup, contrairement aux premières minutes. Tout à fait, donc même le ballon circule très bien, Fatah, on le voit, surtout du côté de l'Algérie. Hein. Et on voit que... Ils récupèrent les balles, ils font circuler le ballon. La défense libyenne qui est quand même solide. Belle action. Dommage, il y avait trois joueurs algériens. À trouver la faille dans cette défense, en fait, comme vous l'avez dit, solide, libyenne. Tout à fait. En fait, Sarah, les joueurs ne se connaissent pas, ne se sont pas encore habitués à jouer ensemble. Et c'est le seul problème. On voit que la qualité est là. Et tant que la défense libyenne est condensée en défense, il faudrait essayer de trouver d'autres solutions, construire doucement, ne pas se précipiter. Et le but viendra, moi je suis convaincu que le but viendra. Faire attention bien sûr au contre de la sélection libyenne qui évolue exclusivement comme ça. Zuliani qui rentre, mais la défense qui arrête la balle. Le ballon est toujours algérien. Très joli tir de Omar qui est passé à quelques centimètres du poteau droit du gardien de Dherar. On joue la 19e, 20, presque 20e minute, Sarah, toujours 0 partout entre la sélection algérienne des U17 et la sélection libyenne. Toujours entre Dherar et Sobhi Abdullah. Erreur de Abdullah qui a essayé de dribbler et malheureusement... Omar ne bénéficie pas de corner, il doit réclamer un corner, l'arbitre désigne mètres pour le gars. Tout à fait, le point des 5,50 m pour le gardien Dherar. La domination est là, l'équipe algérienne essaye de se retrouver, les joueurs sont bien en place, tout ce qui manque c'est un petit but pour les libérer encore plus. On voit que les Libyens se contentent de balancer des ballons en attaque pour chercher Fahd ou Youssef. Mais l'axe central composé de Djibril Nota Beir et de Ouchouach Anis, la paire centrale du club d'Amiens, est là, elle est vigilante et surveille ce petit Fahd Mohamed comme le lait sur le feu. Un contre de la sélection libyenne, mais toujours contré par Tabouche. Tabouche qui donne sur Krauch qui essaie de partir sur la droite, mais Sobhi. Récupéré par le numéro 10, donc Zuliani. Zuliani qui essaye de récupérer la balle, mais l'arbitre siffle le coup franc au profit de l'équipe libyenne. Voilà. Sarah, comment tu vois la suite du match après ces 20 premières minutes? Eh ben, pour l'instant, donc, on commence à voir la sélection nationale se libérer un peu par rapport au début. Donc, le ballon circule bien, comme je l'avais dit tout à l'heure. Mais il faut faire attention donc par rapport déjà à ses centres, à ses contres aussi des Libyens. Et la balle justement contrée, Sarah, contrée par Tabouche, c'est très intéressant. Il essaye de trouver son coéquipier Zaymesh, le gaucher qui centre, mais dommage. La balle a été déviée par la défense libyenne, récupérée toujours par... Zuliani, je pense. Par Omar. Ensuite, le numéro 6. Oh, et c'est dommage. C'est Zuliani qui a
essayé de dévier le ballon dans les filets, mais qui n'a pas bien botté le ballon et qui est sorti. Ils ont un peu aussi de difficulté pour trouver le Yanis Lara. Oui. L'avant-centre algérien ne respecte pas trop son poste. Il est plutôt sur les côtés. Il essaye Sarah, parce qu'on voit, bon, il essaye d'aller sur le côté droit, il essaye de rester en pointe, il essaye de perturber l'axe central composé de Sopri et d'Abdallah, mais tout seul, il ne pourra pas. Il faut qu'il soit aidé par ses coéquipiers. Voilà un exemple d'action, tu vois, il essaye d'aller récupérer le ballon. Le gardien Dhirar, il est vigilant, il est très vigilant, il a senti le danger dès la première action. Et tu vois comment que l'avant-centre algérien, Lera, qui se retrouve un petit peu isolé entre... Donc Djibril qui récupère le ballon, donc Moussaoui... Moussaoui et Zaïmesh, donc c'est un duo excellent à gauche. Oui, le flanc gauche algérien est très intéressant. Depuis le début, le danger vient de ce côté-là. Il n'y a pas beaucoup de jeu dans l'axe. Il joue surtout sur le côté gauche, parfois sur le côté droit par l'intermédiaire de Zouliani. Oui, et de Kraouche, mais c'est surtout le côté gauche. Tu vois Sarah, pourquoi Mohamed Malki récupère donc pour Anis, pour Djibril, il remet au gardien, donc Boualem Hamza. Les Algériens jouent tranquillement en fait. Oui, mais il faut qu'ils fassent très attention, Sarah. Tu as vu que tout le jeu des Libyens est axé sur Fahd Mohamed, sur les longues balles pour Fahd Mohamed. Et là, cette action-là justement des Algériens est un exemple type de manque de cohésion. Voilà, tout simplement, il n'a pas retrouvé son coéquipier. C'est Melk Abdelaziz qui a essayé de trouver Lara, mais le gardien est toujours là. Et qui fait tout pour récupérer les balles, ce Melk Abdelaziz. Tout à fait. Parado Athletic Club. Oui, mais de toute façon, ils font pratiquement le même boulot, le même travail, aussi bien Tabouche que Melk Abdelaziz. Toujours le ballon dans les pieds des Algériens. Moussaoui, donc... Voilà. Oui, intervention assez rugueuse de la part du numéro 16 libyen. Du numéro 8 plutôt. Donc c'est Faraj qui prend un carton jaune. C'est Faraj qui prend un carton jaune suite à sa faute sur... Je ne vois pas très bien le numéro 10. Sur Zaïmesh. Sur Zaïmesh. Sur le numéro 24. Qui est à terre. Oui. Le staff médical est sur le terrain, espérant qu'il y ait plus de peur que de mal. On voit, Sarah, que pour peu que nos jeunes se calment un petit peu, posent le ballon, essayent de jouer comme ils savent jouer, la qualité du joueur algérien, et les choses iront mieux. Et on voit ici l'entraîneur qui donne des consignes à ses joueurs. Donc il parle à son capitaine, donc... Malek Mohamed Abdelaziz. Finalement, plus de peur que de mal pour Zaïmesh, qui se relève et qui va reprendre sa place. En fait, la partie est calme jusqu'à présent. Mis à part une ou deux petites actions menées par les Algériens, il n'y a pas eu de danger. L'équipe libyenne n'a pas fait de danger. Comme on l'a cité à plusieurs reprises, son jeu est principalement axé sur l'avant-centre. Ouchouesh pour Lara. Lara avec... Le ballon qui sort en touche, donc c'est Kraouche qui va. C'est sur le côté droit, donc ouais. L'arrière droit qui va. Voilà, c'est Kraouche. Avec Zouliani. Tu vois, Sarah, c'est dégagé par la défense. C'est tout simplement, Indienne. Tout simplement, tout voilà, simplement. Voilà, donc c'est Mel qui récupère encore le ballon et il passe pas. La balle dans les pieds des Libyens. Ah, il a failli faire faute. Il a failli ne pas voir. Récupère. Ouais, c'est encore perdu. En fait, ça se joue beaucoup au milieu de terrain, Fatah. Oh, oui, ça se joue au milieu de terrain. Et c'est ça, justement. Un joueur libyen qui est à terre. Donc, c'est qui en le...
Alors, c'est le numéro 2, donc c'est Hammam Ammar. Oui, c'est suite à un tacle de Melek, le capitaine Melek. Bon, c'est involontaire. Le staff médical libyen qui va rentrer sur le terrain, Sarah. En fait, je te disais tout à l'heure, comme l'a signalé le sélectionneur national, c'est un problème de cohésion. C'est un problème de cohésion. Il faut signaler aussi que l'équipe algérienne a joué deux matchs amicaux à la fin décembre contre le Sénégal, qui se sont soldés par deux défaites, 1-0 et 3-1. Mais ça a été bénéfique pour créer un peu de cohésion entre les joueurs. C'est le seul problème dont souffre avec le temps de préparation qui n'a pas été lent pour un tournoi pareil. Donc ça a été un petit peu difficile. La qualité et la volonté vont remplacer ça, tant bien que mal, mais je suis sûr qu'ils vont remplacer ça. Le manque de compétition aussi fatal. Donc ces jeunes joueurs n'ont pas joué au sein de leur club pendant près de 10 mois. Donc faut compter depuis mars dernier, toutes les compétitions sont arrêtées. Djibril récupère le ballon pour Malek qui revient sur Zouliani. Zouliani est faute au profit de Zouliani. Il y a beaucoup de fautes commises au milieu du terrain. Plutôt c'était sur Tabouche et pas sur Zouliani. Le coup franc qui va être joué par Djibril, qui joue sur son coéquipier de l'axe central, Wesh qui essaye de trouver Kraouch. Non, c'est Zouliani qui rentre. Zouliani avec sa patte gauche qui rentre et qui change carrément sur Moussaoui. Moussaoui qui essaye de trouver un coéquipier, qui essaye de passer. Non, il essaye de dribbler. Et la balle est contrée par la défense libyenne. Et la touche même est au profit de la Libye. Voilà, donc touche pour la Libye, donc c'est Djeloud qui va effectuer cette touche. Les joueurs algériens sont présents, donc c'est pour Mhaïmen. Sur le côté gauche de l'attaque libyenne. Attention, Kraouch qui veille au grain, le joueur libyen qui essaie quand même de centrer, il y arrive, la balle est, belle action de, erreur du gardien, très mauvais placement du gardien. Donc c'est Abdoul, oui, Samia Abdoul Nabi qui inscrit, qui ouvre le score. Il ouvre le score, tout à fait. Hamza Boualem était très mal placé. Il s'attendait à ce qu'il y ait un centre, mais la balle est partie du côté qui était censé être fermé. Et c'est la Libye qui ouvre la marque à cet instant-là. On est en train de jouer la 30e minute de jeu. La Libye mène 1-0 face à l'Algérie. But marqué par Samia, donc Abou Nabi, Samia, le numéro Nabi. 17. Donc c'est l'ailier gauche de cette équipe libyenne. C'est la première action de la Libye, premier but Fatah. Tout à fait, et c'est ce que je disais Sarah, il faut faire attention au contre, ils n'ont fait aucune action, ils ont joué exclusivement sur leur avant-centre Fahd Mohamed, et à un moment d'inattention suite à un centre et ensuite une belle passe en profondeur, ce jeune Samia Abdennabi ouvre la marque suite, bon, je dirais, à une erreur du gardien, mais de toute façon, sans erreur, il n'y a pas de but. Donc, nos jeunes doivent reprendre leur esprit pour essayer d'égaliser. Ils ont encore le temps. On ne joue que la 30e minute de jeu. Libye 1, Algérie 0, but marqué par Samia Abdennabi à la 29e minute de jeu. Au profit de la Libye suite à une faute commise par Zouliani. On avait demandé de faire attention, Sarah, à ce diable de Fahd Mohamed. Finalement, non, c'est l'ailier gauche. Abdoul Nabi qui a ouvert le score, et qui a ouvert la marque pour cette équipe. Tout à fait. Qui donne l'avantage aussi. Il faut faire vraiment attention à cette attaque, à cette compo, à cette ligne d'attaque libyenne qui joue vraiment les contres et qui les joue très bien. La preuve,
une seule action et un but. C'est pas grave, il faut reprendre les esprits, il faut y aller. Nos jeunes doivent se calmer, ne pas se précipiter, ils ont encore beaucoup de temps. Ils doivent poser le ballon à terre et essayer de jouer le jeu à l'algérienne. On a l'impression que les Libyens sont plus motivés qu'au début. C'est normal, Sarah, marquer un but comme ça, ils ne s'attendaient pas, mais ils ont quand même réussi à ouvrir la marque. Allez, on y va, c'est pas grave. Moussaoui, sur le côté gauche, qui essaye de trouver un coéquipier démarqué, il change carrément sur la droite, la balle interceptée par son coéquipier Djibril qui revient vers la gauche, mais Zaïmech qui glissait la balle sort en touche, dommage, la touche au profit de la sélection libyenne. Touche qui va être effectuée par Djelloud. Fahd Mohamed qui réussit à passer Djibril cette fois, qui reste face à... Ah voilà, c'est une obstruction et un avertissement au profit. Un avertissement pour Notaberi Djibril qui a empêché Fahd Mohamed d'aller. Un coup franc dangereux à l'entrée de la surface de réparation. Ce coup franc qui va être botté très certainement. C'est plutôt pour Tabouche, Fatah, et non pas pour Djibril. Tabouche qui a commis la faute. Le milieu de terrain, donc c'est lui qui a commis la faute sur Fahd Mohamed. Et c'est à l'entrée des 16,50 m, je dirais que c'est un coup franc plutôt dangereux. Vers les 18 mètres, et c'est Sobhi qui va se charger, qui se prépare, qui va se charger. Le gardien doit organiser son mur. Ce Sobhi-là me semble être un gaucher. Il a tout de suite été pour demander à ce qu'on lui laisse le coup franc. Il faut vraiment faire attention à ce jeune-là. Le mur est un petit peu plus qu'à distance réglementaire. Le gardien Hamza Boualem qui est en train de leur demander de se tirer vers la gauche. Sobhi qui se prépare. Difficile début pour les Algériens, malgré qu'ils avaient une petite domination durant les 25 premières minutes. Un seul contre a suffi aux Libyens pour ouvrir la marque. Sobhi se prépare. L'arbitre, c'est très mal tiré à terre, mais la balle est toujours dans le pied des Libyens qui vont opérer de la même manière sur le même côté. Centre libyen, mais Djibril qui veille au grain et qui dégage le ballon. Le ballon est dans les pieds de Sobhi. Sobhi qui essaye de revenir vers Abdullah. Abdullah qui balance devant, mais Djibril... Toujours là pour dégager, récupérer. Pour dégager, faute au profit de Djibril. On joue la 35e minute de jeu. Algérie 0, Libye 1. But marqué à la 30e minute par l'intermédiaire de Samia. À la 34e minute. Voilà, Sarah, un exemple type du manque de cohésion de nos jeunes capés. La qualité est là, la volonté est là, malheureusement. Et pourtant, nos deux jeunes défenseurs jouent ensemble, Fataha. Oui, mais je parle du reste de l'équipe. Au niveau de l'axe, Sarah, je pense qu'ils sont en train de faire ce qu'il leur est demandé de faire, mais pour la cohésion au milieu de terrain et en attaque, les joueurs n'arrivent pas à se retrouver. Et c'est ça ce qui manque à notre sélection. C'est pas grave, il continue. Faute au profit des Algériens dans l'axe central pour Omar Rafiq qui a été bousculé par un joueur libyen. Les Libyens qui commencent un petit peu à essayer d'énerver nos jeunes. Voilà Sarah, et personne. Une faute simple, un ballon au milieu de terrain et qui part en touche comme ça. Ils sont en train de mélanger vitesse et précipitation. Tout à fait. Pourtant, Moussaoui et Zaïmech ont bien commencé cette rencontre. Donc voilà, c'est entre Moussaoui et la défense libyenne, plutôt Zaïmech. Donc Moussaoui qui va effectuer cette touche.
Moussaoui pour Zaïmash. Elle sort en touche. Donc c'est Jawed, donc la touche est libyenne. Oui, la touche est libyenne, Sarah. Encore une fois, je ne fais que le répéter, c'est le manque récupéré de cohésion. Récupéré par nos Algériens. Donc entre Zaïmash et Moussaoui, donc Djibril qui essaie de récupérer et faute. Faute au profit de Djibril, Sarah. Djibril que je trouve bien dans son axe central avec son coéquipier Wash. Voilà qui change carrément sur Kraouch. Kraouch qui essaye de trouver Zuliani, mais contré. Kraouch qui récupère. Zuliani ne perd pas le ballon, va essayer de centrer. Un quatrième corner pour l'équipe nationale algérienne. C'est plutôt une touche, Sarah, selon le juge de touche, c'est plutôt une touche qui va être effectuée par Kraouch. Donc Kraouch effectue cette touche, donc c'est pour Melek, le capitaine. Il perd le ballon. Et c'est une faute au profit de la sélection algérienne après une bousculade sur l'arrière droit, Kraouch Rayen, le joueur du FC Metz, qui est toujours par terre en dehors de la surface de jeu. C'est le juge de touche qui a signalé cette faute. Donc pour ce qui est de Kraouch Rayen, comme vous l'avez dit, donc c'est le neveu de l'ex-international algérien Nasreddin Kraouch Fatah. Oui, je le devine, il y a beaucoup de noms qui se ressemblent. Les Mohra est une grande famille de football, Achelroum Naïd et Atajnen aussi. Alors avec le coup franc. Et ouais, l'égalisation de Nota Bene Djibril. C'est ce que je te disais, Sarah, tout à l'heure. L'axe central manque beaucoup et c'est Nota Bene Djibril qui est monté, qui d'un joli heading suite à un coup franc botté par Zuliani qui nivelle la marque. Très à joli cet but instant pour les Algériens. Oui, on va le revoir dans un moment, Fatah. Voilà. Donc c'est plutôt Wash qui a inscrit le but. C'est Wash, oui, mais je disais que c'était l'axe central qui montait beaucoup. Tout à fait. On revoit le but, très, très jolie voilà, tête de Wash. Voilà, c'est exactement Wash, tout simplement, mais très joli centre de Zuliani. Oui, ça donc va. C'est Zuliani qui tire des coups francs depuis tout à l'heure et les corners, donc il a réussi à atteindre la tête de Wash et réduire la marque pour l'Algérie. Plutôt égaliser. Égaliser, pardon. On sent qu'il y a de l'émotion chez Sarah qui a envie de voir nos capés gagner. C'est ce qu'on veut tous de toute façon. Faute signalée par monsieur le référé, l'Égyptien, monsieur Mahidine, qui siffle une faute sur le joueur algérien Kraouch, une faute quand même assez dangereuse sur le côté gauche, il faut vraiment faire attention. On joue au Sarah à la 39e minute de jeu, presque la 40e minute de jeu, et un score de parité, un but partout entre la sélection des U17 Algérie et la sélection libyenne. Donc c'est le buteur de la Libye qui va tirer ce coup franc, Fatah. Abdoun Nabi Samia. Voilà, c'est très intéressant. Très belle entente entre le capitaine Malek Abdelaziz et son gardien. Le gardien qui remet le ballon en jeu. Voilà, c'est donc Djibril qui change d'avis. Donc il rejoue sur Malek, le capitaine. Donc ils vont jouer sur la droite. C'est vers Zuliani. Zuliani qui récupère le ballon, donc c'est plutôt Omar qui récupère le ballon et qui se fait mal, Fatah. Oui, et l'arbitre avait tout d'abord laissé l'avantage pour la sélection algérienne, mais ayant vu Tabouch par terre, l'Algérie avait perdu le ballon, donc il a sifflé coup franc au profit de la sélection algérienne. Coup franc rapidement joué par Kraouch sur Djibril, plutôt sur Wash. Sur Djibril, Fatah. Djibril sur Wash, et ensuite la balle est centrée vers l'avant, récupérée par Melk
sur Tambouche. Tambouche qui revient derrière pour Ouchèche. Donc c'est voilà. Ouchèche. Depuis tout à l'heure, on dit Ouachouache, donc c'est Ouchèche. On s'excuse c'est... pour le nom. Oui, mais c'est ce qu'on a reçu comme composition. C'est Ouchèche. Donc désolé pour la famille Ouchèche. C'est le jeune Ouchèche Yanis du club d'Amiens. Ballon dans le pied des Libyens. Il essaye de passer 2-3 joueurs algériens. Il arrive à trouver un coéquipier démarqué. Il revient vers le milieu de terrain. Les Algériens essayent de faire un pressing. La balle revient vers le défenseur central libyen, Sobhi. Sobhi qui trouve son coéquipier Samia sur la gauche, qui essaye de revenir, qui ne trouve personne. Et le ballon est dans les pieds de notre avant-centre, Lara qui trouve sur la gauche Zaymesh. Qui revient, qui essaye de trouver un coéquipier et qui trouve Tabouche sur le jeune. Moussaoui, donc c'est entre Moussaoui et Zaymesh. Donc Tabouche, Zaymesh, donc qui réussit à. Il obtient un coup franc. Tout à fait. Alors, c'est une faute sur le côté gauche au profit des Algériens. Il y a un joueur libyen qui est par terre, qui souffre d'une petite blessure, espérant qu'il y ait plus de peur que de mal. Le staff médical libyen qui va rentrer pour secourir le joueur libyen. Je pense que c'est plutôt une crampe, vu le geste qu'était en train de faire le jeune Zouliani. Très intéressant, très sportif. Très sportif. Je pense que le joueur libyen est en train de souffrir d'une crampe. On a sur les 42 minutes jouées, Sarah, je pense qu'il y a quand même une domination algérienne avec une efficacité libyenne, tout simplement. Mis à part la petite erreur défensive, mais sinon c'est l'Algérie qui domine largement cette rencontre, cette première période. Oui, effectivement, ils ont dominé pour peu qu'ils puissent concrétiser. Je pense que c'est un match qui est à leur portée. Il faut éviter de confondre vitesse et précipitation. Espérant que durant la mi-temps, Mohamed Lassette va essayer d'expliquer à ces jeunes ce qui leur manque, parce qu'en fait c'est une équipe quand même qui est assez séduisante, mis à part le manque de cohésion entre donc les deux. Donc c'est Mohamed Mel qui va tirer ce coup franc, encore une fois, donc c'est le même, et c'est plus oui, c'est lui. On espère une tête de Djibril cette fois-ci, malheureusement c'est personne, Sarah, et c'est la balle qui sort en touche sur le côté gauche et qui va être effectuée par Djeloud, qui essaye de trouver un coéquipier à équiper. On joue la dernière minute du temps réglementaire. Touche faite et récupérée par notre avant-centre, Lara Yanis, qui n'a pas pu passer et qui bénéficie quand même d'une touche. C'est lui-même qui fait la touche et qui revient vers Mohamed Malek. Mais c'est dommage que la balle n'a pas été suivie par Zouliani. Les Libyens qui récupèrent la balle, mais Zaymesh qui est là, qui essaye d'intercepter et touche au profit de la sélection algérienne. Je pense, Sarah, qu'il y a largement de la place pour un Moussaoui qui cherche Zaymesh Fatah. Donc Moussaoui. En fait, il essaye de trouver ses coéquipiers démarqués. C'est plutôt Lara, donc qui perd le ballon et dégagé par la défense libyenne. Donc c'est Ouchouache. On va essayer de bien le prononcer, Fatah. Et on s'excuse encore une fois. On l'a prononcé exactement comme on l'a eu. C'est écrit comme ça. Donc c'est Ouchouache et qui sur le côté gauche, qui donne sur Zouliani. Zouliani qui trouve Kraouch. Kraouch qui essaye de prendre le ballon, mais intercepté par Sobhi. Sobhi qui dégage loin pour son avant-centre, mais la balle est interceptée par la défense algérienne. Omar qui joue sur Djibril qui essaye de trouver un coéquipier. Il trouve plutôt son arrière-gauche, Moussaoui. Moussaoui qui revient vers Djibril. Djibril qui essaye de trouver. Là, Lara a été trouvée. Lara est revenue et la balle est interceptée. Elle sort en touche.
Lara qui a toujours la balle dans les pieds. Et c'est une nouvelle faute au même endroit au profit de Moussaoui. Ce Moussaoui qui a montré de très très bonnes dispositions sur le flanc gauche et qui crée beaucoup de problèmes. Aussi, hein, tout à fait, Sarah. Et c'est lui qui va peut-être tirer ce coup franc. Oui, c'est lui, donc c'est Moussaoui. Non, c'est Mohamed Melk qui va le faire encore une fois. Donc, Ah non, c'est plutôt Zouliani. Zouliani qui joue à la courte avec... Zouliani, oui. Ouais. Et c'est une faute sifflée au profit de la sélection libyenne. On est rentré dans le temps additionnel. Je ne sais pas combien monsieur l'arbitre a compté de temps additionnel. Monsieur Ibrahim Nourdine, qui va pas tarder à siffler la fin de cette première mi-temps. Je pense que la première mi-temps finira sur le score de ballon dégagé donc par Dehira. Et fin de la première période, donc un but partout pour cette première mi-temps. Donc les deux équipes vont quitter la pelouse avec un score de parité. Rappelons-le, Sarah, la Libye avait ouvert la marque à la 29e minute par le biais de Semia et l'égalisation a été obtenue à la 38e minute par le central Wachwach Enis. Libye 1, Algérie 1, on se retrouve en début de deuxième période. Les corners et les coups francs en fait. Toutes les balles arrêtées sont bottées par Sobhi, le gaucher Sobhi. On joue la cinquième minute de jeu de la deuxième mi-temps. Sobhi qui essaye de botter le ballon mais très mal joué. La balle est récupérée sur le côté gauche par le petit Moussaoui Imran qui lance sur Zaimesh qui pénètre dans la surface de réparation qui centre. Et le deuxième but de la sélection algérienne à la 49e minute de jeu. Qui a marqué le but, Sarah? Donc c'est Oman qui a inscrit ce deuxième but et a aggravé la marque pour l'équipe nationale. Donc bravo pour les Verts. Donc ils sont rentrés bien déterminés, Fataha. À 4 minutes, 5 minutes du début de cette deuxième mi-temps, les Verts réussissent à aggraver la marque. Donc 2 buts à 1 pour l'équipe nationale algérienne. Et une très belle action, un très beau contre. Je vois que les jeunes Libyens sont en train de protester auprès de l'arbitre. Je ne comprends pas pourquoi, Sarah. J'ai vu que l'action était très simple. Zaimesh qui a débordé sur le côté gauche et qui a fait un centre en retrait pour Omar qui n'a eu aucune difficulté à mettre le ballon, à mettre le cuir au fond des filets et ainsi marquer le deuxième but de Algérie 2, Libye 1. À la 50e minute de jeu. Donc finalement, le but est venu du côté droit, Fatah. En première mi-temps, on s'attendait à ça, mais c'est arrivé quand même à la deuxième mi-temps. Donc c'est Moussaoui qui a fait monter le ballon vers Zaimesh et qui a su atteindre les pieds de Omar. C'est les pieds de Omar, effectivement. C'est les pieds de Omar. Je ne sais pas si c'est Zouliani ou c'est Zaimesh qui est monté sur le côté gauche. L'emballant pour Lara. Lara qui récupère. Mais Sobhi qui sort le ballon en touche. Je n'ai pas revu l'action, Sarah. Je ne sais pas si c'est Zouliani qui est monté sur le côté gauche pour centrer ou c'est Zaimesh. Normalement, c'est Zaimesh qui a centré le ballon pour Omar. Alors Djibril pour Ouchouach pour Imante, le premier buteur. Il réussit à dribbler deux joueurs et perd le ballon. Donc le ballon sort en touche. Il sort en touche au profit de la sélection algérienne. Kraouch qui essaye de faire cette remise en touche. Il donne le ballon sur le côté et celui qui centre c'est Omar, mais la balle est dégagée par la défense libyenne. Tabouche au milieu du terrain qui essaye de trouver un coéquipier qui trouve Zaimesh. C'est Zaimesh qui revient vers Tabouche qui revient vers l'axe central vers Djibril qui trouve Zouliani avec sa patte gauche qui échange sur le côté droit. Kraouch sur le côté droit qui essaye de centrer et le central Abdullah qui rate le ballon qui a failli tremper la vigilance du gardien Dhirar.
Dérard qui dégage, les joueurs continuent à glisser quand même. Ils ne se sont pas totalement habitués, Sarah, à la pelouse. Ouais, touche pour l'équipe libyenne, donc c'est Youssouf. Encore une autre touche. Et cette fois-ci au profit de la sélection algérienne, Sarah. Maintenant, c'est les Algériens qui prennent tout leur temps. Karaouch qui est en train de chercher un coéquipier démarqué, qui essaye de trouver Zouliani, mais qui cherche plutôt Lara. Oui. Et les Libyens qui récupèrent la balle, qui essaye de changer sur le côté gauche, mais interception du latéral gauche. Ah, dommage. Dommage, c'était une belle action qui se préparait sur le côté droit. Attention à Mohamed. Attention à ce Fahd jeune. Mohamed. Oui, à ce jeune Fahd Mohamed. Fahd Mohamed, quand même, qui utilise sa corpulence. Il est face à deux corpulents aussi, l'axe central algérien, Djibril et Wesh Wesh. Mais. Il utilise quand même toute sa force physique, il profite de sa corpulence et de sa force physique. Tu as encore vu une crampe, Fatah. Voilà, c'est ce que j'allais dire, Sarah. On voit que les jeunes Libyens souffrent beaucoup de crampes. C'est le deuxième joueur, alors qu'on ne joue que la 53e minute de jeu. À la fin du match, ça aurait pu se comprendre. Mais c'est quand même des jeunes. Donc c'est vous êtes médecin, vous allez nous le dire. C'est peut-être dû au manque de compétition. Certainement dû à ça aussi. Mais sachant que la corpulence, la masse musculaire de ces jeunes-là n'est pas comme celle des seniors. Et donc, ça nécessite quand même un travail assez programmé, exactement, assez spécifique, et c'est pour ça que les jeunes. Mais tu as vu, Sarah, que ce jeune Fahd Mohamed, c'est le fer de lance de la sélection libyenne, et c'est lui qui participe pratiquement à toutes les actions sur le flanc de l'attaque. Et c'est tout le monde qui le cherche aussi, Fatah. Donc tous les joueurs cherchent Fahd Mohamed, cherchent à centrer pour ce Fahd Mohamed. Il bouge, cet avant-centre bouge beaucoup et dérange un peu la défense algérienne. Tu as eu des informations, Sarah, à propos de la préparation. Ils ont quand même fait trois stages de préparation. Trois stages de préparation, effectivement. Cette avant de venir en Algérie. Tout à fait. Deux stages qui se sont déroulés en Libye. Je pense à Zawiya, sur la partie ouest de la Libye. Tout à fait. Et les deux autres stages, Sarah ? Donc un stage à Sousse et un autre à la capitale de la Libye. Donc trois stages effectués avant leur arrivée ici en Algérie. Donc les deux sélections, donc la sélection libyenne et tunisienne, sont arrivées vendredi après-midi. Donc ils ont eu quand même le temps de se reposer avant d'entamer cette compétition. Et reprise du jeu, la balle est au niveau de la défense algérienne. Melk Abdelaziz, le capitaine, qui revient pour récupérer le ballon, qui trouve Kraouch sur le côté droit, qui revient toujours vers Melk. Melk qui trouve Nota Bayer et Djibril, qui revient sur son coéquipier à Amiens. Le buteur Wesh Wesh, la balle est toujours dans les pieds des Algériens, mais elle est sortie en touche, une touche au profit de la sélection libyenne. Donc c'est pour Djelloud qui cherche le numéro 7, donc c'est Youssouf avec Ezat qui va essayer peut-être de dribbler ou de centrer. Il revient vers Youssouf Ezat. Récupéré par la défense ou le milieu de terrain algérien, donc par Tabouche, et qui sort encore une fois en touche en faveur de l'équipe nationale algérienne. Zouliani qui avait la balle dans ses pieds, qui a essayé de faire le grand pont sur le défenseur Djelloud, mais celui-ci a été vigilant et la balle est sortie en touche au profit des Algériens. La balle est au niveau de la défense algérienne. Le central Wesh Wesh qui revient vers le capitaine Melk Abdelaziz qui trouve Zouliani qui essaye de trouver Kraouch, mais la balle est interceptée par l'ailier gauche Samia. Djelloud qui va faire cette remise en jeu. Ils essayent comme d'habitude de jouer lent sur Fahd Mohamed, mais la défense algérienne qui intercepte par le biais du capitaine Melk. Non, la balle est toujours dans les pieds des Libyens. Fahd qui essaye de tirer de loin, mais le gardien Hamza
Boualem qui sort, qui prend tout son temps. Il a raison, il mène au score. Mais le temps est encore long, on ne joue que... Côté droit vers Djibril. Djibril vers... Il revient en arrière vers Ouchouach. Ouchouach, Kraouch. Donc ils circulent le ballon, les Algériens, ils préfèrent jouer plutôt calme. Oui, et c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut jouer, tout en restant vigilant pour ne pas vivre le même scénario de la première mi-temps. Tout à fait, tout à fait. L'avant-centre Lara qui revient pour demander des balles, c'est un joueur qui est assez intelligent, très intelligent d'ailleurs. Il essaye d'aider ses coéquipiers du milieu de terrain pour donner des solutions. Ballon récupéré par Mohamed Malek vers Ouchouch, donc Djibril. Djibril qui cherche Moussaoui, non, et c'est sur Moussaoui. Moussaoui et Zaimesh, ils perdent le ballon, donc les Algériens perdent le ballon et ça sort... En 5m50, le joueur Tabouche, je pense, qui est resté par terre. Il a reçu un ballon au niveau du bas-ventre. C'est certainement le choc. On revoit l'action. Oui, vous avez raison, Fateur. Oui, c'est Tabouche qui a reçu dans le bas-ventre des parties un petit peu sensibles et qui va sortir sur l'arbitre le fait sortir et lui demande de sortir assez trop tard. La réglementation est claire, jeune homme, la réglementation est claire, les soigneurs sont rentrés, tu es obligé de sortir. Et effectivement il sort et la remise en jeu va être effectuée par le gardien Dherar. On voit à l'image Mourad Slatni, l'entraîneur adjoint de notre jeune sélection des U17. Oh, la faute du gardien. Mais c'est pas possible. Le central Nota Bene, Nota Bayre, Djibril qui revenu vers son gardien. Et un moment d'inattention et c'est un but gag. Un but vraiment gag. Très déçu, le gardien Usmith. Oui, c'est gardien. Dommage. Donc voilà Hamza qui est déçu. C'est dommage, c'est une erreur de jeunesse. C'est pas grave, c'est une erreur de jeunesse en voulant récupérer. Tu vois, Sarah, quand on rentre dans la facilité. On revoit l'action en fait. Donc c'est Djibril qui lui donne le ballon et qui n'arrive même pas à l'arrêter. Et c'est dommage. C'est dommage. Allez, c'est une erreur de jeunesse. Pour la Libye, alors. Ne l'acculons pas, c'est un jeune gardien. Voilà, quand on rentre dans la facilité, Sarah, c'est ce qui ressort comme résultat. C'est pas grave, égalisation de la sélection libyenne à la 59e minute. Les Libyens viennent de niveler la marque. C'est un autogol marqué par Djibril, mais c'est le gardien qui a perdu le ballon. Les Algériens qui remontent à l'assaut. Zuliani qui. Oh, Zuliani qui a fait un très joli centre. Zaimesh qui a remis sur Lara, mais Lara qui était seul face au gardien qui n'a pas pu mettre le ballon au fond des filets. Ça aurait pu être une très belle occasion pour marquer le troisième but. C'est pas grave, le ballon est dans le pied des Libyens. Kraouch qui récupère le ballon. Petite poussette, faute pour les Libyens. Donc on commence à avoir un peu de provocation en fait. Ça fait partie du jeu. Tout à fait, c'est normal. ce jeune qui ne fait pas son âge, Fahd Mohamed, qui essaye d'énerver la défense algérienne. Les jeunes Fenech sont intelligents pour ne pas rentrer dans son jeu, s'occuper plutôt à marquer des buts, à essayer d'aggraver la marque. La balle est dans les pieds du capitaine, du central Notabe Bayeri Djibril. Djibril qui récupère le ballon. Donc ça va du côté droit, c'est Zuliani qui va essayer de centrer, ça sort en touche. Donc touche pour la Libye du côté gauche, donc c'est Djeloud qui va effectuer cette touche. Ah, Zuliani est là, essaie de peut-être
récupérer ce ballon. Tout à fait, Sarah. C'est dommage d'encaisser un but pareil. J'espère que ça ne va pas affecter le moral des jeunes Fenech. Le numéro 6 qui joue sur Mohamed Fahd. Mohamed Fahd, attention, attention, jeune homme. Le gardien Hamza Boualem qui dégage la balle vers Lara. Lara, mais c'est toujours sur le côté gauche que les Algériens essayent de développer. La balle est libyenne et faute au profit de l'auteur du premier but, le jeune Samia. Donc premier changement côté Libye, Fatah. Donc c'est le numéro 19 qui va faire son entrée. Donc c'est Ahmed Abdul Hamid Mohamed à la place du numéro 7. Donc c'est Youssouf. Youssouf, donc c'est l'ailier droit de cette équipe libyenne qui va sortir. Voilà. Il a aussi une crampe peut-être, il est blessé. Du côté de l'Algérie, on voit aussi le numéro 29 qui va faire son entrée. Donc c'est Mohamed Younes Hadji. C'est un milieu de terrain, on verra à la place de qui. Donc c'est peut-être Omar ou Tabouche qui vont sortir, Fatah. On verra. Pour le moment, le changement n'est pas encore effectué. C'est les Libyens qui vont reprendre le jeu. Un dégagement de la défense libyenne. Mais Djibril est là et qui essaye de trouver son coéquipier sur la droite, Zuliani. Mais la balle est interceptée par Djaloud Djaloud. La balle est dans les pieds des Algériens. Il y avait faute, mais l'arbitre demande de continuer le jeu. L'Algérien, le jeune Algérien qui récupère le ballon, mais la touche est libyenne. On voit clairement que les jeunes Libyens sont satisfaits de ce résultat. Donc et le changement, c'est Zahimesh qui va sortir. C'est plutôt l'ailier gauche de cette équipe algérienne qui va sortir et céder sa place pour le numéro 29 qui est Mohamed Younes Hadji. Mohamed Younes Hadji, effectivement, Mohamed Younes Hadji. Ce jeune Hadji qui est sociétaire du stade Rémois, c'est le stade de Reims, donc encore un joueur issu de l'émigration. Hadji qui va prendre la place de Zahimesh sur le côté gauche. Faute sifflée par le référé monsieur Ibrahim Nourdin qui siffle une faute suite à une poussette sur l'avant-centre Lara. La faute qui va être jouée par Kraouch sur le côté droit. C'est Kraouch qui va tirer cette balle arrêtée. Il change de côté carrément, donc vers Moussaoui. Moussaoui qui centre vers Lara, qui cherche Lara, qui trouve Melk. Penalty, et l'arbitre qui siffle un penalty suite à une faute du défenseur Djaloud sur Zuliani. Zuliani qui allait droit au but, mais Djaloud l'a arrêté irrégulièrement et c'est ainsi que M. Ibrahim Nourdin n'hésite pas à siffler un penalty à la 65e minute. On le revoit ici en image Fatah. Oui, c'est effectivement Djaloud qui a commis une faute claire. Je ne vois pas pourquoi les jeunes Libyens sont en train de protester. C'est une faute qui était très claire. Voilà, c'est son ballon. Il avait perdu le ballon. Voilà, c'est exactement ça. Il l'a quand même touché après avoir perdu le ballon. Donc c'est pénalty. Logiquement sifflé par Monsieur Ibrahim Nourdin. Et c'est, je pense, Lara Yanis. Je te laisse nous raconter ce pénalty, Sarah. Voilà, c'est Lara qui essaye de marquer depuis tout à l'heure, qui essaye d'être présent et de gêner la défense libyenne. Il va peut-être mettre ce ballon dans les filets du gardien Dehram qui vient de recevoir un carton jaune. Il prend son élan, il tire et le gardien fait sortir et sauve sa cage. C'est dommage pour Lara, c'est dommage. Il a essayé, mais le gardien était tellement motivé suite à son avertissement, l'avertissement dont il a écopé, et il a arrêté le ballon. C'est pas grave, le jeu continue. Zuliani qui est toujours bousculé par la défense et par le milieu de terrain libyen et qui bénéficie d'un corner qui va être botté par ce même Zuliani.
Tout à fait. Donc c'est Zuliani qui continue à effectuer toutes les balles arrêtées de cette rencontre, mis à part le pénalty que Lara vient de rater. Donc c'est Zuliani qui va tirer ce corner. Il cherchera sûrement la tête de Djibril Fetta. Oui, de Djibril ou de Wachwach. Yannis, l'axe central. Oui. Allez, corner tiré. Il cherche. Et c'est sorti en 5 m50. C'était justement. Le gardien libyen est à terre. Il s'est peut-être fait mal. On va peut-être revoir l'action. C'était justement Djibril qui avait botté de la tête, mais c'était loin du côté du poteau droit du gardien. On revoit le pénalty ici, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Un bon gardien, Fataha. Oui, c'est un bon gardien. Il a bien suivi la balle de Lara. Voilà, il a suivi la balle de Lara, il a bien contrôlé. On voit la désolation du jeune Lara, mais c'est pas grave, jeune homme, c'est pas grave, tu vas avoir l'occasion de marquer. Alors, le gardien libyen, qui est toujours par terre, et c'est toujours une histoire de crampe, Sarah. Tout à fait, donc c'est sûrement dû au manque de compétition. Oui. C'est leur premier match officiel, donc c'est... Autant je le comprends sur le terrain pour les joueurs de champ, autant je ne le comprends pas pour un gardien, mais bon, de toute façon... Il essaie peut-être de gagner un peu de temps... De perdre du temps, pardon. Voilà, on revoit la déception du jeune Lara A, le jeune très qui... Très déçu. Il s'en veut, Lara, le joueur de l'Olympique Lyonnais, Yannis Lara, qui est vraiment déçu d'avoir raté le pénalty. L'avançant qui cherchait des buts depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de s'infiltrer dans cette défense libyenne. Il reste encore du temps, Sarah. Il reste un petit peu plus de 20 minutes pour nous caper, pour rajouter un troisième but, et pourquoi pas plus. Le gardien vient de se relever, le gardien Hirar vient de se relever. Et le jeu va reprendre dans quelques instants. On voit que... L'Algérie maintenant joue avec deux avant de pointe. Le nouveau joueur qui est rentré. Mohamed Younes. Voilà, c'est Mohamed Younes qui. Alors, Zuliani qui est sur le côté gauche, qui essaye de dépasser le défenseur. Très actif ce Zuliani, il crée beaucoup d'occasions. Il essaye d'apporter un plus à cette équipe. Il effectue beaucoup de centres aussi, mis à part les balles arrêtées. Il a une très belle patte gauche, Sarah. Il a une très belle patte gauche. Il ne trouve personne. Il ne trouve personne. Et récupéré par la défense libyenne. Ah, le jeune Lara a eu un coup au moral. Hein. C'est rater un pénalty comme ça, ça l'a affecté. Espérant qu'il puisse reprendre ce qu'on lui souhaite, qu'il reprenne très rapidement. Histoire de reprendre confiance, 70 minutes de jeu, toujours debout partout entre la sélection des U17 Algérie et la sélection U17 Libyenne. Touche, remise en touche faite par l'arrière droit algérien Kraouch qui joue sur le côté gauche, la balle est dans les pieds. De Tabouche qui essaye de trouver un coéquipier démarqué, qui garde toujours la balle dans ses pieds, qui revient vers Kraouch sur le côté droit. Kraouch qui va effectuer un centre pour qui il a failli tremper la vigilance de Dhirar. Un centre-tir de Kraouch que Dhirar a failli louper. La balle est passée au-dessus de la barre transversale et le gardien libyen encore une fois par terre. Suite à cette extension. Donc on va rappeler que l'Algérie joue avec un système donc 4-1-4-1 Fatah, donc avec un bloc haut contrairement à la Libye. Donc, et les points forts de l'Algérie sont beaucoup plus sur les côtés, donc on le voit avec Zuliani et Zaïmech qui est sorti. Ouais. Moussaoui continue à jouer sur les côtés avec le nouveau joueur qui vient de faire son entrée, donc Mohamed Younes Hadji. Pour ce qui est de la Libye, donc il joue avec un système donc 4-5-1. Il se base, il sent beaucoup plus sur un bloc bas.
Et ils axent tout leur jeu sur les longues balles en direction de Fahd Mohamed. Oui, exactement, fait. Sarah, bien vu, Sarah. C'est effectivement comme ça qu'ils jouent. C'est quand même assez difficile pour cette sélection algérienne. Le manque de cohésion, c'est vrai que la volonté est là, c'est vrai que la qualité des joueurs est là, on voit qu'ils ont de bonnes dispositions, mais le manque de cohésion a fait défaut. Et voilà, on se retrouve à deux buts partout après 71-72 minutes de jeu, Sarah. Le gardien libyen qui se relève. Je pense que l'arbitre va compter beaucoup de temps additionnel vu qu'il y a eu beaucoup d'arrêts durant cette deuxième mi-temps. Ben on l'espère parce que comme vous l'avez dit, Fattah, il y a eu beaucoup d'arrêts. Déjà le gardien, c'est son deuxième arrêt. Là. Il perd beaucoup de temps. Et c'est, comme tu le sais Sarah, c'est le seul moment où l'arbitre arrête carrément le jeu parce qu'on ne peut pas remplacer le gardien. Les joueurs de champ sont obligés de sortir. Là on revoit la tête de notre jeune gardien, donc Boualem Hamza, le jeune Usmist. Qui a fait une erreur et ça peut arriver. Tout à fait, c'est une erreur de jeunesse et la jeunesse est là pour qu'on fasse des erreurs, pour qu'on apprenne. Non, de fait, Mohamed, l'arbitre se faute pour l'équipe nationale. Donc il continue de provoquer cette défense. Le fait, Mohamed, il joue avec les nerfs des Algériens. Voilà. Récupéré par Lara. Lara qui progresse, Lara qui essaye de trouver. Ah, oh, très joli tir de Lara sur le côté gauche qui frôle le poteau du gardien droit le poteau droit du gardien libyen. L'arbitre va avertir et cette fois-ci verbalement avertir le gardien de Herar qui clairement est en train de perdre du temps. La remise en jeu est effectuée par ce gardien. Le ballon est dans les pieds de Tabouche. Tabouche qui bénéficie d'une touche. La touche qui va être effectuée par Moussaoui sur le flanc gauche. Moussaoui qui essaye de trouver un coéquipier démarqué, qui ne trouve personne, qui revient derrière vers l'axe central. L'axe central, notable Daïri Djibril, qui joue avec Wesh Anis. Et la balle est malheureusement sortie en touche. Un autre changement du côté de la Libye, donc c'est le deuxième. Donc c'est Mohamed El Maghribi qui va faire son entrée à la place du numéro 17. Donc c'est le buteur, celui qui a inscrit le premier but de la Libye. Donc c'est Samia. C'est Samia Abdoun Nabi qui sort et qui cède sa place pour Mohamed El Maghribi. Mohamed El Maghribi. La remise en touche est jouée par Jaloud Jaloud qui essaye de trouver son coéquipier démarqué mais qui perd le ballon. Kraouch qui revient vers le milieu de terrain, vers Tabouche qui essaye de trouver Zouliani. Mais la balle est interceptée par Jaloud Jaloud. Zouliani qui glisse et qui perd ainsi le ballon. Toujours dans les pieds des Libyens. La sélection libyenne essaye de jouer des petites passes. Jolie phase de jeu de la part des Libyens qui change carrément sur la droite. Et il est pris dans le vent, le jeune Moussaoui. Heureusement que Djibril était là. Encore une fois, le ballon perdu par la sélection algérienne dans les pieds des Libyens. Mais Kraouch est là qui veille au grain. Kraouch qui essaye de monter. Kraouch mais intercepté par le défenseur, par le milieu de terrain libyen. Et le ballon est sorti en touche au profit de la sélection algérienne. Je pense qu'il y a un troisième changement qui se prépare, Sarah. Hadji qui remet sur Zouliani, mais la balle est sortie en touche au profit de la sélection libyenne. L'entraîneur n'est pas très content du rendement de ses... on le voit crier un peu sur ses joueurs et donner des consignes. C'est logique, c'est une façon de motiver, de stimuler. Et de réveiller un peu ses joueurs aussi. Tout à fait. On remarque un léger relâchement du côté des Algériens. Le relâchement est surtout la cause après la sortie de Zaymesh. Tout à fait. Là, Lara qui essaye... Ah, dommage, il n'a pas vu son coéquipier Moussaoui sur le côté gauche, qui était seul sur le côté gauche. La balle est récupérée par l'attaque algérienne. Hadji, le nouveau rentrant, Hadji qui trouve Zouliani sur le côté droit. Zouliani qui essaye de trouver un coéquipier démarqué. Jolie action de Zouliani. C'est dommage, c'est la défense libyenne qui intercepte. Tir de Tabouche, mais au-dessus de la barre transversale. C'est Zinedine Benhamed qui va faire son entrée à la place de Tabouche.
Tabouche, donc Zinedine Ben Ahmed qui évolue au RC Rolizen Fatah. Ah, Zinedine Ben Ahmed qui jouera à la place de Tabouche, donc c'est poste pour poste. Tabouche qui a fait quand même, qui a tiré son épingle du jeu, qui a fait quand même une belle partie. C'est son premier match, on ne peut pas demander plus. Je pense, il y avait position de hors-jeu, effectivement, il y avait position de hors-jeu, sinon c'était un danger sur les bois algériens. Rapidement, Hamza Boualem qui remet sur l'arrière gauche Moussaoui qui trouve Lara. Lara qui est revenu vers le milieu de terrain, qui dépasse son gardien et le centre de... Ça allait tout droit vers la tête de Hadji, mais le gardien de Hirar vient d'intercepter le ballon. Attention Djibril, attention aux balles perdues, attention. La balle est dans les pieds de... Omar qui va faire le côté gauche, qui centre, il n'y a personne, ça sort en corner, donc le défenseur, le numéro 13, et c'est Djaloud qui offre un corner pour l'Algérie. Tu as remarqué Sarah que depuis la rentrée de Hadji, les Algériens essayent de jouer sur la taille de Hadji. Tout à fait, qui est un grand joueur, ils essayent de jouer la tête et avec c'est Hadji. C'est toujours Zouliani qui va tirer ce corner au profit des Algériens. Zouliani qui le fait assez bien, donc un corner tiré par Zouliani, il cherche une tête et c'est dégagé par le gardien Dhiram. C'est plutôt la transversale du moment que l'arbitre a signalé un 5m50 pour la sélection libyenne. On revoit l'action et effectivement c'est la barre transversale. Les Algériens qui essayent de presser, attention à ne pas laisser de vide au milieu du terrain. Ce beau diable de faute au profit de Djibril suite à une bousculade, toujours par cet avant-centre-là. Fahd Mohamed. Djibril qui reste au sol. Je pense que c'est un petit problème au niveau de son talon. C'est ce qu'il est en train de signaler, l'arbitre qui est en train de d'avertir oralement l'attaquant Fahd Mohamed. Fahd Mohamed, comme on disait tout à l'heure, Sarah, qui profite vraiment de... Chouache qui s'est fait mal et qui se relève. Ah oui, il lui a marché sur le pied. Mais il se relève rapidement. Voilà, c'était au niveau de la cheville gauche. Corias, défenseur algérien. Tout à fait, Sarah. Tout à fait, Sarah. Et le jeu qui reprend, on joue sur Moussaoui sur le côté gauche. Moussaoui qui essaye de trouver un coéquipier démarqué et qui trouve Hadji. Hadji qui essaye de passer, mais la balle est interceptée par la défense libyenne et qui sort en touche. La touche qui va être faite, effectuée par Moussaoui. Moussaoui qui revient vers son capitaine. Le capitaine... Malek Abdelaziz qui revient en défense. Ah, c'est dommage. Lara n'a pas pu intercepter ce centre-là. Et les Libyens qui sont encore par terre. Les jeunes Libyens qui jouent clairement le chrono. Et plus que 10 minutes, moins de 10 minutes, Fatah. Donc l'entraîneur s'énerve, l'adjoint s'énerve. Les joueurs aussi commencent à s'énerver. Pour ça, il fallait marquer pour ne pas tomber dans ce genre de situation. Ça aurait été plutôt la sélection. Il fallait plutôt suivre les consignes de l'entraîneur par rapport au gardien, parce que pour ce qui est de ces buts gag Fatah, donc on dit au niveau au niveau de la formation, on leur demande de ne pas jouer en arrière, de ne jamais cadrer les passes vers le gardien. Et surtout éviter la facilité. Donc c'est plutôt la faute de Djibril. Oui, mais bon, la balle était tellement simple, c'est-à-dire que le gardien devait... Mais il fallait quand même suivre les consignes des entraîneurs. Tout à fait, Sarah. Et pas de retour en arrière. Tout à fait, la faute est partagée, tout simplement. Même le gardien a joué avec beaucoup de facilité, ce qui lui a causé ce petit souci. Kraouch sur le côté droit qui va essayer de trouver la tête de... Oh, ils ont failli faire un autogol. C'est le central Abdullah qui, au lieu de dégager, a failli mettre la balle au fond de ses filets. Heureusement que Dhirar était là pour intercepter le cuir. Les Libyens qui dégagent loin.
Karaouche qui récupère le ballon, qui trouve Zuliani sur le côté gauche. Zuliani qui va essayer de dribbler, qui dépasse effectivement le... Oh, c'est dommage, il y avait mieux à faire. Le jeune Zuliani qui pouvait pénétrer et qui a préféré revenir vers Hadji, mais la balle a été interceptée par Abdullah qui a dégagé en touche. Touche au profit des Algériens. Karaouche qui revient vers le 17, le jeune Relizane qui vient de rentrer. Alors, la balle revient encore une fois vers la défense algérienne. Il faut construire les jeunes, il reste encore du temps. Wachwach qui essaye de trouver un coéquipier démarqué, mais qui revient vers Melek Abdelaziz qui trouve Zuliani. Zuliani qui est venu pour récupérer le ballon au milieu. Zuliani avec sa belle patte gauche ne trouve personne démarqué. Il essaye d'y aller tout seul. Il réussit. Et c'est une faute pour Zuliani suite à une bousculade du numéro 16 libyen. C'est le numéro 16 libyen qui a... C'est Mouhaymar qui a arrêté irrégulièrement Zuliani sur qui on commet beaucoup de fautes. C'est une pépite, c'est une très belle patte gauche. Rappelle-toi et bien. Notre changement fateur, donc c'est le numéro 11 du côté des Algériens, donc c'est Mohamed Djilelda du Paradou Athletic Club. L'arbitre demande d'abord à jouer le coup franc qui est tiré. Et c'est le gardien qui sort en corner. C'était assez bien tiré. Djibril qui était derrière, ou Wachwach était derrière, mais le gardien a pu dégager en corner. Le changement, donc c'est le numéro 9. Donc c'est Lara qui va sortir sans marquer. Il va être déçu, ce jeune Lara. Donc il cherchait ce but, il cherchait à marquer. Il sort. Et c'est le numéro 11, ça. À Mohamed Djilelda du Paradou Athletic Club. Djilelda du PAC qui prend sa place à la place de... C'est Omar qui botte ce corner facile pour le gardien Dhira. Oh là là. C'est le véritable hold-up. Heureusement, bravo Hamza Boualem qui a sauvé son équipe, qui a sauvé l'équipe nationale d'un troisième but certain. Il était face à face avec Mohamed Fahd, Sarah. Mohamed Fahd qui n'a pas réussi quand même, même s'il a dribblé peut-être la défense, même s'il s'est séparé de cette défense, mais il a eu droit à un gardien... coriace. on peut dire que le gardien s'est racheté sur ça. Il s'est racheté de son erreur, de son erreur tout simplement. Il s'est racheté, il a sauvé son équipe d'une défaite certaine. On revoit l'action et il a été très intelligent, Hamza. C'est pour ça que je te disais, Sarah, c'est un bon gardien, c'était une erreur de jeunesse. Allez, on reprend, on y va les jeunes. Il reste quand même 5 minutes, on joue la 85e minute de jeu. Djibril qui change sur le côté gauche pour Moussaoui. Moussaoui qui essaye de passer, qui centre, un très joli centre. Et Sobhi qui dégage en corner. Le gardien Dhirar a raté le ballon et c'est Sobhi qui a pu dégager en corner. Un corner qui va être botté, Sarah, par Zuliani. une évidence. Donc c'est Zuliani qui va tirer ce corner encore une fois. Et pourquoi pas chercher la tête de Hadji, hein. Central, Sarah. L'axe central. On ne peut pas dire que ce n'est pas mérité, Sarah. Ce n'est ni du chauvinisme, ni autre chose. L'équipe algérienne dominait les débats depuis le début de la deuxième mi-temps. C'est vrai qu'il y a eu cette action de Mohamed Fahd et qui a raté. Et comme en football, quand tu rates, tu encaisses, Sarah. Tout à fait. Bon, bravo pour les Verts, mais il faut réussir à garder ce score jusqu'à la fin du match. Plus que 4 minutes à jouer. Donc, il faut renforcer la défense, se concentrer encore plus. Tu te rappelles ce qu'on s'est dit au début du match, Sarah. L'axe central monte beaucoup, surtout sur les coups de pied arrêtés. Et là, c'est Nota Beyré qui a suivi le ballon qui a été remis par son coéquipier Hadji et qui a pu mettre le cuir au fond des filets. Et donc,
86-87 minutes de jeu. L'Algérie et mène si devant la Libye. Et si on revoit bien l'action, c'est les deux axes. C'est les deux axios, effectivement, Sarah. C'est les deux axios, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Ouchouèche et Djibril ont réussi à mettre ce ballon. Ah, je suis content pour ces jeunes. Je suis content pour Moussaoui aussi. De Mohamed. Je suis content pour le jeune aussi, Hamza. Le jeune Hamza Boualem. Le jeune Hamza Boualem qui était très content de voir son équipe marquer le troisième but parce qu'il se sentait un petit peu coupable du but d'égalisation. Là, c'est, je ne sais pas qui est par terre, je pense... C'est Djibril qui est par terre. C'est Djibril qui est par terre, effectivement, c'est Nota Bayré, Djibril, l'auteur du troisième but algérien qui est par terre. un autre changement qui troisième se prépare, Sarah. Troisième changement, donc c'est Bouchibert qui va rentrer à la place du numéro 18. Donc le numéro 18, c'est... Je le retrouve pas, Fatah. On va le retrouver, Sarah. Ne t'inquiète pas. C'est qui est sorti. Alors, le numéro 18 qui rentre, c'est... Non, c'est plutôt le numéro 27 qui a fait son entrée. Donc, c'est Bouchiba à la place du numéro 16, peut-être, Mohaïman. On va le confirmer dans un petit moment. Effectivement, c'est Mohaïman qui est sorti à la place de Bouchiba. Effectivement, Sarah. Bien vu, Sarah. Sarah qui suit ces changements-là avec beaucoup d'attention. Finalement, plus de peur que de mal pour Nota Bayré Djibril, l'auteur du troisième but. L'arbitre lui demande de sortir. En fait, c'est le joueur libyen qui lui a marché sur la main et il a bénéficié d'un coup franc. On est en train de jouer la dernière minute, l'avant-dernière minute. Allez, quelques secondes dès la dernière minute du temps réglementaire. Le ballon est dans les pieds des Algériens. C'est dommage que le ballon soit perdu comme ça par le milieu de terrain algérien. Attention au contre. Mais Ouachouach qui est là pour arrêter les attaques libyennes. Toujours un poison, ce Zouliani, un poison sur le côté gauche. Pour l'équipe nationale, donc c'est Kraouch qui va effectuer cette touche. C'est Kraouch, effectivement, Sarah. Donc il cherche Zouliani. Djibril, un rock. Djibril, même après sa blessure, il est là, le jeune Hadji sur le côté gauche. Hadji qui essaye de revenir vers son coéquipier. Djibril qui donne sur son coéquipier. Je pense que c'était Malik Abdelaziz. C'était plutôt Omar qui a tiré. C'est le deuxième tir hors des 18 mètres de l'Algérie jusqu'à présent. Il y avait mieux à faire. 4 minutes de temps additionnel signalé par Madame Shahida Saad El-Maghribi, suite aux instructions bien sûr de l'arbitre central, parce que c'est l'arbitre central qui décide du temps additionnel. Attention, un contre libyen, mais le gardien Hamza, l'arbitre n'accorde pas de faute aux Libyens, et le gardien Hamza Boualem, et voilà, le gardien Hamza Boualem qui récupère le ballon, qui prend tout son temps. C'est normal. Voilà, 4 minutes, au score. Comme vous l'avez dit, Fatah, on le voit à l'image. Tout à fait, 4 minutes de temps additionnel. Hamza Boualem qui dégage sur Hadji. Hadji qui essaye de dévier de la tête, mais la balle revient dans les pieds des Algériens, qui joue carrément sur Zouliani. Zouliani sur le côté gauche, qui pénètre au milieu du terrain, qui tire, mais la balle est trop haute. Très très haut, au-dessus de la barre transversale du gardien. Maintenant, Dirar qui court, Sarah. On peut dire que ce Zouliani est une découverte, Fatah, une petite pépite. C'est une véritable pépite. Hadji avec sa taille, qui trouve son coéquipier sur la gauche, qui est en train de pénétrer, qui fait le centre, mais c'est dommage. La balle est interceptée par la défense libyenne, toujours dans les pieds des Algériens, qui centre, mais le gardien Dirar est là pour arrêter l'attaque algérienne.
Dehérar qui va dégager la balle et au milieu du terrain, une longue balle. Ah, attention les jeunes, pas deux. Heureusement que Kraouch est là. Hadji qui joue toujours en déviation. Hadji, mais Kraouch toujours. Kraouch aussi est un véritable pot de colle. Ah, dommage, il a perdu le ballon. Un contre sur le côté droit. Sur le côté droit libyen, l'attaquant libyen. C'est le Maghrébi qui vient de faire son entrée. Voilà. Pas de faute pour le Libyen. Donc pas de faute pour le Libyen. Le joueur algérien qui garde le ballon, effectivement. Et très sportivement, Djibril qui dégage le ballon pour permettre au staff médical libyen de rentrer pour soigner le joueur El Maghribi qui est rentré à la place de Samia, l'auteur du premier but. Je ne sais pas combien ils ont joué dans le temps additionnel, Sarah. Je pense qu'ils n'ont pas. Ah là là, les jeunes qui ne remettent pas le ballon. Pourtant, Djibril avait donné le ballon pour les Algériens. Attention à ce centre qui était très très haut. Et Hamza Boualem qui court, évite le corner et dévie le ballon en touche. Très motivé ce Hamza Boualem, le jeune Smith, hein, depuis qu'il a fait cette petite erreur. Une petite erreur qui a quand même coûté un but, Sarah. Récupération des joueurs algériens qui essayent de trouver. Il continue sur le côté droit. C'est dommage. Il n'a pas trouvé. Maintenant, c'est Hadji. Hadji, ah, c'est dommage. La balle a été très, très mal jouée par Djibril qui essaye de trouver Hadji sur le côté gauche. La balle est dans les mains de Dehérar, le gardien. Dehérar qui joue devant, très lent, Zuliani qui récupère le ballon, Zuliani qui revient vers Kraouch. Kraouch toujours vers Zuliani. Zuliani est usé, il est fatigué, il est tellement fait sur son flanc gauche. La balle revient dans les pieds des Algériens, il essaye de trouver Hadji. Je ne sais pas pourquoi, son coéquipier ne lui a pas passé, c'était le numéro 11. C'est Djelalda qui a fait son entrée à la place de Lara. C'est la deuxième fois que le jeune Djelalda ne voit pas Hadji qui était seul sur le côté gauche. Attention, on joue les dernières minutes du temps additionnel. L'Algérie mène toujours 3-2 face à la sélection libyenne. Les Libyens. Et la match. Fin du match, Sarah. Tout à fait. Donc, c'est les émotions, en fait. Victoire pour l'équipe nationale. C'est beau de les voir comme ça. Ils sont heureux. Une victoire méritée, on va dire. Domination totale de l'équipe nationale avec un léger relâchement de temps à autre. Donc, bravo pour nos jeunes. On considère ça comme des erreurs de jeunes, Sarah. Le pénalty raté par Lara. L'erreur faite par le gardien qu'on voit sur l'écran, le jeune Boualem. Mais tout de même, le score est là et c'est très important. C'est bon pour le moral. Algérie 3, Libye 2. Nous avons été heureux, moi et Sarah, de vous accompagner durant ce match, de vous servir durant ce match, en espérant vous retrouver dans de prochaines occasions. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous, Fatah. Merci à vous. On espère retrouver l'équipe nationale le 24 de ce mois face à la Tunisie.